2, 1, 2, 3, salut, c'est Cassia, je vais l'enlever, allez, je l'enlève. On peut attaquer. Allez, bon coup. Bonjour à tous, je pense qu'on m'entend. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Donc, du coup, on est aujourd'hui présent à l'EduLab. Donc, pour ce premier moment interactif pour le projet Rennes Pôle Nord de Vincent Grison. Donc, on a quelques personnes dans la salle. On les remercie d'être venus. Et on a surtout, je l'espère, plein de personnes qui sont présentes sur YouTube pour voir en direct cette présentation. Je vois déjà qu'il y a. Il y a le petit Joseph Janin hein, qui nous adresse un bonjour, notamment à Vincent. On n'hésitera pas à lui passer le mot tout à l'heure. Puisque voilà, on va reprendre un petit temps autour du projet de Vincent. Mais surtout, vers 19h20, normalement, Vincent va nous appeler. Alors, vous allez pouvoir surtout lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, pour ce faire, il faut mettre quelques messages dans le YouTube, en commentaire là, de la présentation. Et vous aurez l'occasion, effectivement, tout à l'heure, d'échanger avec Vincent et d'avoir des réponses à toutes vos questions. Donc, on va tâcher de faire ça. Voilà. Avant toute chose, je vais me présenter quand même. Donc, Cassien Loubière, moi, je fais partie de l'équipe de Lama Production. On est toute une petite équipe autour du projet de Vincent. On ne va pas tous les citer, mais il y en a beaucoup. Yvan, Joden, Marion, Hugo, David et bien d'autres qui aident Vincent sur un certain nombre de choses pour que son projet aille au bout et puis que vous puissiez le vivre avec lui aussi. Et donc, Lama Production, l'association dont je fais partie, avec Yvan notamment, héberge le projet de Rennes Pôle Nord de Vincent. Et pas que, il y a également d'autres projets, notamment le projet L'Équipière qui est aussi présent à l'EduLab, là pendant encore quelques semaines. Donc n'hésitez pas à venir les voir, c'est une recyclerie de matériel sportif, et donc voilà, c'est un super projet également. Et pour revenir au projet de Vincent, il est aujourd'hui en Islande, très proche de la banquise. Il devrait effectivement pouvoir lancer sa dernière tentative de progression vers la banquise dans les prochains jours. Mais avant tout ça, il a effectivement fait bon voyage, il a bien convoyé entre Rennes et l'Islande. Donc rappelez-vous, pour ceux qui l'ont pas forcément suivi, Vincent il est parti le 24 avril de Rennes en vélo, en tirant notamment tout ce matériel que vous voyez là. Donc le matériel qui est le brise-glace, donc le bateau qu'il a construit spécifiquement pour cette expédition, qui doit lui permettre notamment d'atteindre la banquise et puis bien entendu de pouvoir vivre sur la banquise pendant plusieurs jours, et puis tout son barda, ses équipements pour dormir, pour vivre pardon, et pour communiquer avec nous. Donc il a tiré tout ça sur 2 jours pour rejoindre Saint-Malo. Alors il faut se rendre compte quand même, on a roulé nous un petit peu avec lui. Ça fait 90 kilos qu'il a porté derrière lui. Il était, même si c'était que 2 jours, il en a ressenti quand même les douleurs dans les jambes. Et il a atteint Saint-Malo, où là, il a attendu effectivement de pouvoir mettre le brise-glace sur le Trifon, qui est un voilier qui lui a permis de rejoindre l'Islande. Alors c'est vrai que le voyage au départ, initialement, il y a plus de 2 ans, quand Vincent a imaginé ce projet, c'était pas forcément celui-ci. L'idée étant de rejoindre le Cap Nord en vélo, en tirant le brise-glace jusqu'au Cap Nord de la Norvège, avant de traverser en direction du pôle Nord. Mais il est vrai que le contexte sanitaire l'a obligé à faire évoluer son projet, et notamment de raccourcir les distances au plus proche en traversant le moins de pays possible, puisque chaque pays ayant des contraintes réglementaires associées à la pandémie, ça l'obligeait à faire des grosses pauses. Donc il a fait le choix de travailler différemment, de convoyer différemment, en partant directement de la France pour l'Islande en voilier, et puis de l'Islande, l'idée étant d'atteindre la banquise dans les prochains jours. Voilà. Et il a toujours souhaité, en tout cas, avoir une mobilité douce, même s'il a dû remettre en question son projet. Aujourd'hui, il est parti en vélo et il a continué son voyage en bateau. Ça, c'est un point très important autour du projet de Vincent. C'est bien entendu
le sens aussi environnemental qu'il souhaitait donner à ce projet, à cette expédition, sensibiliser aussi l'ensemble des personnes qui le suivent, les plus jeunes comme les plus grands, autour de ce projet-là, et notamment de pouvoir effectivement sensibiliser autour du réchauffement climatique. Et donc c'est aussi une des raisons de cette expédition, c'est celle-ci, c'est d'atteindre la banquise et de voir effectivement dans quel état est cette banquise. Banquise qui réchauffe jour après jour et malheureusement c'est un des endroits sur le monde où qui réchauffe le plus rapidement possible parce qu'il réchauffe 3 fois plus vite que d'autres zones dans le monde et donc du coup c'est un grand témoin du réchauffement climatique. Et donc Vincent, en partant là-bas, il souhaite être effectivement un témoin de ce réchauffement et également de pouvoir nous apporter des images et un retour sur ce réchauffement. Et il a aussi souhaité être accompagné sur cette partie-là par l'université de Rennes 2, notamment le département géographie, qui finalement va pouvoir aussi identifier avec lui l'évolution du réchauffement climatique sur la banquise avec des images satellites. Et donc voilà, Vincent aussi a souhaité aussi apporter une vision de recherche à cette expédition et donc on espère qu'on aura aussi des réponses de ce côté-là. Et puis, effectivement, il y avait aussi un message éducatif qu'il souhaitait transmettre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le projet, ça représente quand même 30 classes d'école sur Rennes et Rennes Métropole, c'est-à-dire à peu près 1200 élèves. J'espère que plein d'entre vous sont derrière votre écran et donneront des petites questions à Vincent. Mais voilà, l'ensemble de ces élèves qui aussi suivent le projet de Vincent et donc du coup, à travers ce projet-là aussi, seront amenés peut-être à aussi avoir d'autres projets de leur côté, pourquoi pas voyager. Et donc c'est ce qu'a souhaité aussi transmettre Vincent, au-delà de la vision environnementale, mais aussi le goût de l'aventure. Puisque c'est aussi une aventure importante hein, que de convoyer jusqu'au pôle Nord. C'est des zones où on va assez peu, au final. Et du coup, juste pour aussi ajouter à cette dimension du projet, c'est un projet qui rassemble beaucoup de personnes et beaucoup de partenaires. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 35 partenaires qui accompagnent Vincent dans son expédition à tous les niveaux. Et puis aussi, on a toute une équipe qui est présente. Et là, notamment, donc là, vous pouvez visualiser les dessins de Hugo Letellier, qui est illustrateur. Et donc, ces dessins-là, vous pouvez les retrouver à la courte échelle, à Rennes, pour les planches de dessin, qui représentent, si vous le revoyez bien là, Vincent sur son brise-glace, et petit à petit, qui avance dans son expédition en direction du pôle Nord. Une fois qu'on a des petits bonjours qui arrivent petit à petit, n'hésitez pas à poser vos questions. On retrouvera Vincent tout à l'heure, dans quelques minutes. Il va nous appeler et il sera très heureux de répondre à toutes vos questions. Je rappelle effectivement le parcours. Merci Yvan, assistant Yvan sur le côté. Le parcours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est parti de Rennes le 24 avril. Il a rejoint Saint-Malo, et il est parti de Saint-Malo tout début mai, en convoyant jusque l'Abervraz, donc du coup dans le Finistère. L'objectif était effectivement de gagner un petit peu de temps, puisque voilà, les complications associées à la pandémie, elles ont duré jusqu'au départ, puisque quelques jours à peine avant le départ, l'Islande, qui devait être le point d'accroche, le camp de base finalement avant d'attaquer la banquise, voilà, annoncer des restrictions vis-à-vis des habitants français, ne pouvant pas forcément circuler en Islande, ce qui a obligé Vincent à retravailler aussi son parcours. Et donc ils sont allés dans le Finistère, le temps de bien réfléchir à comment attaquer les choses. Et donc du Finistère, ils sont partis à peu près début mai, direction les îles Féroé, en passant au large de l'Irlande et de l'Angleterre, au large de l'Écosse. Et puis, ils ont rejoint les îles Féroé, sur lesquelles ils ont fait escale pendant plusieurs jours. Aussi des paysages très différents de ce qu'on peut voir ici. On pourrait poser des questions à Vincent. Il y a eu quelques images aussi sur le Facebook de l'expédition qui montraient des images des Féroé. Il avait notamment fait des visions de drones qui sont assez exceptionnelles. Et puis, à partir des Féroé, des îles Féroé, ils sont partis en Islande. Ils sont arrivés il y a une petite dizaine de jours.
Donc il fait un temps assez difficile, a priori une météo difficile, nous disait Vincent, du froid aussi notamment. Donc voilà, vous pourrez avoir ces sensations tout à l'heure. Mais ils sont arrivés en Islande, malgré tout, malgré les difficultés, avec effectivement des demandes d'autorisation un peu spécifiques. Mais voilà, heureusement, ils ont pu atteindre l'Islande. Et normalement, d'ici pardon, quelques jours, peut-être dès demain même, ils auront la possibilité de se lancer à l'assaut de la banquise. Alors entre l'Islande et la banquise, il y a quelques jours de navigation. Donc il faut bien les préparer, puisque voilà, avec même un petit peu de vent, ça peut devenir très compliqué. Donc Vincent cherche à avoir la meilleure fenêtre météo aussi pour pouvoir se lancer. Et donc on sait qu'aujourd'hui, a priori, sans ce jeudi, il y avait beaucoup de vent et une météo exécrable. Donc il fallait attendre au moins demain pour s'y attaquer. Donc il va nous dire tout ça tout à l'heure, quand il va pouvoir se connecter avec nous. Là, on a une petite image des vents sur le nord d'Islande. Hein, vous pouvez le voir. Donc, quand c'est en rouge, voilà, sur ce site, quand c'est en rouge, c'est qu'il y a des très gros vents. Et donc, vous pouvez voir en haut l'Islande qui est écrite. Là, c'est l'île que vous retrouvez là. Et donc, voilà, on voit qu'il y a des énormes couloirs de vent là qui frappent le nord-ouest de l'Islande, ce qui empêche forcément Vincent d'attaquer la suite de son expédition, de progresser vers la banquise. Alors, on va le voir après, hein, il va atteindre les côtes de la banquise où il souhaite y rester plusieurs jours. Normalement, si tout va bien, on pourra communiquer avec lui de nouveau dès la semaine prochaine. Et il sera en direct de la banquise si tout va bien. Donc après, il faut voir s'il aura pu l'atteindre. Mais là, on voit bien hein, les gros courants de vent qui sont présents sur l'île. Effectivement, l'ensemble de la progression aussi de Vincent, puisque là on vous dit qu'il est en Islande, mais vous pouvez également le suivre en direct sur le site internet de Rennes Pôle Nord. Donc on a notamment la cartographie du site sur le site qui permet de voir où se situe heure après heure Vincent et son brise-glace. Donc aujourd'hui, on devrait le retrouver normalement, voilà, si on clique sur la cartographie en Islande, si tout va bien. Ah bah j'ai l'impression que Vincent nous appelle. Ah bah c'est top. On va lui répondre. Ça va ? Salut Vincent. Bonjour. Salut. On est hyper heureux de te voir. Ouais. Pas salut encore. Lucia. Salut tout le monde. Salut Vincent. C'est bon. Vous me recevez ? Ouais, on te reçoit. Il y a une petite équipe qui est présente ici, qui est allée du lab. Et puis... On a du monde qui est aussi présent sur YouTube, qui te salue d'ailleurs, beaucoup de personnes qui te saluent, qui te disent bonjour. Est-ce que tu nous reçois bien super, de ton côté toi. Ouais, cool. Moi, je vous reçois super. Ouais, je suis content de vous voir. Je te vois un peu en contre-jour, Cassien, mais ah oui, effectivement. Mais c'est pas grave. Bon, comment tu vas? Comment tu te sens? Eh bien, ça va super. Ça va. Moi, je vais très très bien. Mais autour, ça commence à devenir un petit peu tempétueux, il commence à faire vraiment froid et humide. Donc, on s'apprête à ne plus faire grand-chose. Mais demain, il annonce vraiment beaucoup de vent, donc on va rester enfermé dans le bateau et attendre que ça passe. Comment, et ça, c'est toujours un peu embêtant. C'est des phases... On a l'habitude, hein. On a l'habitude, Vincent, on connaît. Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé, ta traversée jusqu'à l'Islande, là, du coup, depuis début mai, au final? Pas de... Bien, dans l'ensemble, très très bien. Donc, ouais, ça fait déjà un mois que je suis parti de Rennes. Et donc, la première étape à vélo jusqu'à Saint-Malo, c'était vraiment chouette. On a bénéficié d'un bon week-end, il faisait bien beau et on a rencontré plein de gens sur la route qui étaient là, nous attendre, à accueillir, à célébrer le film. Donc c'était vraiment sympa. Et après, le gros morceau, ça a été de partir de Saint-Malo pour rejoindre l'Islande en voilier avec le brise-glace fixé dessus. Et là, donc,
Bah, ça a été beaucoup, beaucoup de navigation parce qu'on ne pouvait pas, pas faire escale au Royaume-Uni, notamment avec des règles de Covid. Donc il a fallu atteindre les îles Féroé en 9 jours de navigation sans escale. Donc ça, c'était un peu long. Ah. Et un peu frustrant aussi parce que on est passé à travers des endroits vraiment magnifiques et on ne pouvait pas s'y arrêter. Et après, on a fait une étape aux îles Féroé pour. Faire un enregistrement dans une zone qui a été considérée comme exemple de Covid avant d'atteindre l'Islande et là montrer patte blanche aux autorités islandaises et être accepté en Islande. Donc il s'en est fallu de justesse pour que tout ça ne fonctionne pas. Et finalement ça a fonctionné, donc on était vraiment contents et soulagés d'avoir le sésame et d'être les bienvenus finalement ici. Quoi. Ouais, parce qu'on l'a pas précisé, mais t'as pas voyagé seul sur Trifon, sur le bateau là qui t'a envoyé. Ouais, Trifon, c'est un voilier de 16 mètres, 12 tonnes, et donc on était un équipage de 6 personnes. Ça a été aussi une aventure humaine, c'est un équipage un peu particulier parce qu'aucune de ces personnes ne se connaissait mutuellement. C'est un équipage que j'ai construit autour du projet et de gens qui avaient envie de passer du temps en mer. Et le groupe a super bien fonctionné, c'était des beaux moments passés ensemble. Je trouve que lui aussi était très très heureux du voyage, donc c'était vraiment un bon point. Et vous avez vu des animaux, non? Parce qu'on a vu quelques images, j'ai l'impression que vous avez eu pas mal d'animaux là depuis le départ. Ouais, quand même, on a vu. C'est là qu'on se rend compte aussi à quel point notre pays, même l'Europe, surtout la France, il reste plus grand chose de naturel. Parce que dès qu'on quitte la France, c'est plus on monte vers les endroits, où il y a moins de population humaine, hein, il y a moins d'activité humaine, là, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup plus d'animaux. Et on va dire dès la mer d'Irlande, l'arrivée en Écosse, là on va commencer à avoir beaucoup plus notamment d'oiseaux. Des dauphins un petit peu avant, et après beaucoup d'oiseaux, des sous-bassins, des macareux, des fulmars, et après, arrivé en Islande, là c'est vraiment flagrant. Voilà, on a beaucoup de baleines. Là, depuis deux jours, trois jours, je vois des phoques, des renards, beaucoup d'oiseaux migrateurs qui passent l'hiver chez nous, là, notamment des canards, des oies, beaucoup d'animaux qu'on chasse en France, pour le plaisir. Ça se trouve ici l'été. Donc ça fait plaisir de les voir. Et t'as l'air d'avoir chaud là, non? T'as l'air d'être. Ouais. Là ça va, hein. Je suis à l'intérieur du brèche-glace. Mais dehors, il commence à faire vraiment froid. Ils annoncent de la neige là, pour aujourd'hui et demain. D'accord. Okay. Donc ouais, c'est un peu l'ambiance. Hein. Quand il n'y a pas de soleil. La température descend vraiment vite. Mais ça va, c'est vivable. Il faut faire attention à bien se nourrir et avoir les bonnes couches de vêtements et ça fonctionne pas assez bien. Donc pour l'instant, je n'ai pas souffert du froid ni de l'humidité. D'accord. Ça va. Et on a vu sur quelques images que tu avais l'air de. Enfin, ce que tu nous disais, il fait jour tout le temps, c'est bien ça? Ouais, c'est pareil, c'était visible vraiment à partir de l'Écosse. Donc là, maintenant, il fait. La lumière se couche jamais, le soleil, on ne voit plus trop parce qu'il y a beaucoup de nuages. Hein. Mais en tout cas, il ne fait jamais nuit depuis les îles Féroé. Donc c'est. Au début, c'est un peu déroutant. Quand tu es à la Terre, des horaires normaux, où tu peux te coucher. Quand tu peux, pendant 3 heures, 3, ouais, 2 à 3 heures, avoir un coucher de soleil, c'est juste dingue. Un coucher de soleil en France, c'est quoi? Ça t'a de la chance, c'est une demi-heure. Ouais. C'est 2h30, 3 heures. Et avec des couleurs pareilles qu'on ne connaît pas, des violets dans le ciel notamment.
C'est vraiment, vraiment spécial. Puis il y a le fait de, d'être en navigation aussi, où t'as quand même, voilà, ça peut être un peu éprouvant, ça peut être intense, tu peux être aussi un peu à fleur de peau, donc ça démultiplie les émotions, c'est assez, assez sympa. Donc, vraiment, ouais, des belles navigations pour venir jusqu'ici. Et depuis deux jours, voilà, les deux derniers jours, j'ai beaucoup ramé là dans le fjord islandais. Mais là, c'est autre ambiance. Là, c'est, il faut ramer, donc un peu plus fort. T'es pas devant. Tu regardes un peu moins le paysage. Il y a un petit peu de vent, mais voilà, j'ai pu faire une heure de cerf-volant. Il y aura deux heures de cerf-volant. Donc là, pareil, quand tu t'arrêtes de ramer, tout de suite, tu sens beaucoup plus le froid. Donc c'est toute une logistique, quoi, de mettre des vêtements, alors que sur le pied d'achat, il y a des gens qui jouent, donc c'est un peu compliqué. Et après, un truc que j'avais mal, j'avais vu un petit peu en Bretagne pendant les entraînements, mais là, qui était vraiment flagrant, c'est de regarder un cerf-volant, tu vois, se voler, alors que t'as un peu froid, tu tombes un peu dans la somnolence rapidement. Faut pas s'endormir, Vincent. Faut pas s'endormir. Marion est là. Il faut pas s'endormir. Et du coup, comment tu vois les choses alors ces prochains jours? On a cru comprendre qu'il y avait beaucoup de vent là pour attaquer l'Islande. C'est ce que tu disais. Et de l'Islande, la banquise, pardon. Et donc du coup, les prochains jours, tu les vois comment? Alors, j'ai perdu un peu le volume de ta voix, mais j'ai eu la question. Donc, en fait, pour atteindre la banquise qui dérive le long du Groenland, tu regardes deux choses. Tu regardes le vent, d'abord. Parce que tu ne veux pas que tu arrives dans cette zone qui peut être un peu difficile à gérer, arriver avec beaucoup de vent ou de mer. Hein, parce que le risque, c'est que, étant pris dans une zone de glace qui est non homogène, c'est une succession de petits blocs de glace. Et bien, ces blocs de glace te percutent et que ça passe un petit peu comme dans un shaker à cocktail. Donc, il faut y arriver, atteindre cette glace sans vent, sans trop de vent, sans trop de mer. Et après, il faut aussi optimiser un petit peu la zone de glace dans laquelle tu vas arriver. À savoir, tu ne veux pas que ça soit trop. En fait, là, tu as une première grande barrière de glace, on va dire, donc deux tiers de la route vers le Groenland, tu as une barrière de glace. Et derrière cette barrière, là, tu as une zone de glace qui est beaucoup plus navigable. Donc l'idée, ça va être de traverser cette première barrière. Okay. Et comme dans les deux prochains jours, il va y avoir énormément de vent, bien, tout ça, ça va bouger, ça va se disloquer, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Donc là, on est plutôt en train de regarder ça. On connaît la météo, le vent, c'est assez simple. Dans deux jours, il y aura deux à trois jours, le vent ne va pas tomber. Et on devrait pouvoir passer. Non, dans 2 à 3 jours, où est-ce que sera la glace? C'est un petit peu la question qu'on se pose de le dire maintenant. Et quand je dis une, c'est parce que voilà, il y a moi sur le brise-glace, on va être déposé dans cette zone-là, mais il y a aussi les contraintes du voilier Trif, qui lui aussi sera sur zone et qui a des contraintes de navigation dans une zone mixte aux glaces. Qui sont assez différents parce que lui, il ne peut pas notamment se mettre en sécurité sur la glace, il est beaucoup trop gros. D'accord. Donc voilà, donc là, c'est une discussion à deux, voilà, avec le capitaine du voilier Trifon et moi-même, de voir un petit peu comment on va aborder la glace. Et pour l'instant, rien n'est encore décidé, mais on sait que quelque chose va se passer voilà, d'ici le week-end. Comme ça. Ok. Et tu penses que tu... J'étais à dire aussi, on est... Pardon ? Ah, vas-y, pardon. J'allais dire, ouais, qu'on est vachement aidé. La météo, c'est assez simple de la voir. Hein. C'est des modèles météo internationaux, européens et américains qui sont disponibles sur Internet. Les cartes de glace, c'est beaucoup moins évident. Et justement, là, avec l'université Rennes, on a mis au point des outils pour faire ces cartes-là. Donc en ce moment, c'est vraiment ce qu'on utilise. C'est ces cartes de... d'imagerie satellite radar qui nous permettent de, voilà, de suivre au jour le jour l'évolution de ces glaces. Donc c'est vraiment crucial. Et tu penses que tu peux nous montrer ce qu'il y a en dehors du brise-glace là? Une petite image de ce que tu vois? Ouais, bah là on voit pas grand chose. Hein.
C'est de me protéger, de garder. Parce qu'en fait, le grand jeu actuellement, c'est surtout de garder l'humidité à l'extérieur du bateau. Parce qu'une fois qu'elle est rentrée à l'intérieur, c'est dur de la faire sortir. Mais, alors, je vous montre. Ah, ça ressemble à ça. Donc là, on est dans le port de Isafjordur. C'est le port autour duquel on gravite depuis quelques temps. Alors, je vais même pas sortir pour durer. Il a l'air de faire un temps magnifique. C'est bon, vous voyez ? Ouais. Ok. Ah, vous voyez là, c'est là, c'est pas mal, et là, avec ce grand vent, c'est le début. Enfin, là, c'est pas vraiment souffle. Et hop, la brèche là, celui-ci. Si vous voyez, c'est le voilier, c'est sympa. Trop bien. Et dans le coin, il n'y a vraiment que nous qui naviguons, en fait. Il y a quelques pêcheurs. Des garde-côtes. Et donc là, vous voyez, il y a des grands nuages presque au niveau de la mer. Et dans l'ensemble, il fait quand même assez froid. Bon, après, moi, je me suis habitué. Alors, moi, le fait de monter en prenant son temps jusqu'ici, on s'y habitue, hein, mais là, il doit faire à peu près 0 degré. Heureusement, si j'étais arrivé en bateau, en avion, je ne sais pas comment j'aurais vécu le décalage environnemental. C'était une transition douce, c'est pour ça. Tu peux rentrer dans mon bateau ? Ouais, tu peux. Vraiment, c'est pas. Nage mieux comme ça. C'est parfait parce qu'il y a Yvan qui est en train de rassembler plein de questions et puis peut-être le public aussi, vous avez des questions à poser à Vincent et du coup tu vas pouvoir y répondre pleinement au chaud. Allez, vas-y, ouais, super. Je prends le relais sur les questions, salut Vincent. On a pas mal de monde là qui te suit sur YouTube, je pense pas mal de familles aussi qui sont derrière leur écran, donc c'est hyper chouette. Alors, tu as eu pas mal de messages d'élèves de l'école Jeanne d'Arc qui sont très motivés là, pour te suivre. Et je te combine un peu les quelques questions là, qui ont été posées jusqu'à présent. Donc, je l'ai dit à toutes les personnes qui sont derrière leur écran, n'hésitez pas à en poser sur le fil de commentaires Facebook ou le fil YouTube. N'hésitez pas pour qu'on puisse les poser à Vincent. Je voulais savoir si tu avais déjà commencé à manger de la nourriture la nourriture que tu avais présentée dans la précédente présentation live, quoi, là, la nourriture à sécher. Il y avait aussi, il y avait des nouvelles de Tin Ours, d'ourson qui t'accompagne. Ah bah tiens, on le voit un peu. Donc, et puis sinon, il y avait une question aussi sur là, bon, t'as pu naviguer un peu tout seul. Comment est-ce que tu appréhendes la solitude, voilà, le fait d'être aussi tout seul dans ces blocs de glace, est-ce que ça te fait pas trop peur? Ok, et ben petit ours, je ne sais pas où l'apercevez, hein. Il est dans le fond. Ouais, on voit. Je l'ai sorti de son sac, je crois, ce matin, un truc comme ça. Je l'ai gardé bien au sec pendant toute la traversée. Hein. Et maintenant, il va faire le chemin avec moi, j'ai trouvé sa petite place au fond. Hein. L'idée, c'est qu'il ne prenne pas trop froid et pas trop l'humidité. Non, je suis content de l'avoir parce que du coup je saute sur la question de la solitude. Eh bien, avant de partir de Rennes, c'était un truc qui ne me faisait pas du tout peur. Pendant le convoyage, le fait d'être à 6, avec une si bonne ambiance, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que ça va être? Bon, voilà, d'un instant à l'autre, comme ça, j'allais passer de 6 personnes à moi tout seul. Je me suis dit, oh, ça va peut-être être un peu dur. Et au final, il y a quand même eu une phase où on s'est retrouvé, il ne restait plus que moi sur le bateau et le nouveau capitaine, et de quelques jours, et qui m'a fait un petit peu un sas. Et là, les 4 derniers jours, 3 derniers jours que j'ai passé seul,
Bah, c'est plutôt chouette. Ça me fait du bien en fait de me retrouver un peu seul et d'être vraiment concentré sur le cœur du projet, qui est la chose que voilà, ça fait 2 ans que je développe. Donc ça fait du bien aussi de dire voilà, je suis, ça y est. Et maintenant, y a plein de nouvelles choses en fait qui m'occupent dans ma journée, qui sont des choses que tu fais en solitaire, quoi. Ben voilà, faire des images, faire des photos, prendre le temps d'écrire un journal, des choses que je ne faisais pas du tout avant et que ben maintenant j'ai le droit de faire parce que j'ai un peu plus de temps. Donc je suis plutôt content, mais quand même content aussi d'avoir voilà, quasiment matin et soir, peut-être ici, là, il y a mon gros modem satellite qui permet d'être connecté sur WhatsApp. Maintenant les soirs, et donc de quand même de garder un contact avec le monde extérieur, donc je ne suis pas si seul que ça. Quoi. Donc pour l'instant, l'équilibre me va bien et j'ai hâte de, voilà, de remonter sur Trifon, de me remêler à l'équipage, c'était un peu bizarre. Et j'ai hâte, mais, même si c'est super sympa, hein, j'ai hâte de retrouver un peu justement ma routine en solo la semaine prochaine. Quoi. Et la dernière question, c'était la bouffe, la nourriture. Eh bien, la nourriture déshydratée est absolument délicieuse. Ah ! Qu'est-ce que tu as mangé ? Qu'est-ce que tu as testé ? Qu'est-ce que j'ai mangé ? J'ai mangé... Qu'est-ce qui était délicieux ? Le parmentier, voilà, le hachis parmentier, ça a été délicieux. Le meilleur, ça a été le curry thaï. Curry thaï. C'était délicieux. Donc, voilà, j'ai mis des gros sauts comme ça, hein, à l'intérieur, et voilà... Ça, c'est des graines, des barres, et après, des repas, pour ceux qui ne les avaient pas vus. Ça, c'est un repas du matin, un muesli avec des graines, et tu vas la sortir un repas. Voilà, donc là. Ah, on a un petit blocage. Ah, on a perdu Vincent. Ah, ça y est. T'es de retour ? Ouais. On t'entend plus, Vincent ? Alors, on va essayer de retrouver Vincent. On va prendre quelques secondes. C'est dommage, on avait le détail d'un repas gastronomique là en ce moment. Ouais, ah, non. Il est de retour. Ouais. Parfait. Je suis de retour. Vous m'entendez ? Ouais, nickel. Et donc, l'idée, c'est de cuisiner ces trucs-là avec la bouillon électrique. Donc, ça, c'est très bon. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps. J'avais un peu sous-estimé le temps. J'avais un bout de message qui arrivait. Ouais, le temps que ça prenait. Pour faire remplir cette bouilloire et la faire chauffer à ébullition, ça prend 40 minutes à peu près. À 40 minutes. Et après, ça, la réhydratation, ça prend au moins 1 heure. Donc grosso modo, il faut que vous préparez ta nourriture du matin pour le midi pour le soir. Et donc le matin, c'est vachement bon. Notamment, il faut que j'améliore un peu ce truc-là parce qu'il faut que je fasse chauffer de l'eau 40 minutes pour mon petit déjeuner, chauffer de l'eau 40 minutes pour le repas de midi, chauffer de l'eau 40 minutes pour la thermos de thé de la journée, ce qui fait que je mets 2 heures à décoller, quoi. Ah oui, effectivement, ouais. Donc, t'as pas fait grand-chose sur la banquise, hein, à ce rythme-là. Donc, ouais. Donc, il faut trouver un truc pour améliorer un peu ça. Ça va le faire, hein, c'est aussi, hein, voilà, c'est le début. Est-ce que tu as des surprises début, un peu comme ça? Pardon. Des surprises, non? Des surprises alors, là, alors, une surprise niveau bouche, c'est que je mange moins que prévu. Donc, c'est plutôt pas mal, ça va me laisser du rap pour plus tard. Non, j'ai une petite carrière de chocolat, mais pareil, je les garde pour les moments. Pour un peu plus tard, quoi. Les moments difficiles, pour ça. Voilà, c'est ça, ouais. Tu penses rester combien de temps sur Tu penses rester combien de temps sur la banquise, du coup? Eh bien là, ce sera à peu près 3 semaines, je pense. Je sais pas, c'est difficile de s'engager sur des. En fait, la météo ici est vraiment changeante. Enfin, c'est des phénomènes météo sont vraiment rapides et un peu violents. Et ça peut vite devenir dangereux. Donc, déjà, je vais y aller. Et ensuite, l'idée, ça sera de. On a une échéance, c'est de repartir d'Islande entre 7 et 9.
juillet. Donc on va voir. Mais voilà, ça va être un autre 2-3 semaines, je pense. Hein. Donc je referai un planning, en fait, je pense, demain, quand j'aurai des certitudes sur le départ vers le voyage. D'accord. D'autres questions qui arrivent. Attention, hein, ça fuse. Ok. Surtout, pas mal de messages de soutien. Hein, donc, je lis hein, Henri, 10 ans, qui dit que tu es le meilleur. Donc voilà, j'espère que ça te donnera, ça donnera de la force pour aller rejoindre la banquise. Un petit message des petits reporters de France Parrainage. J'en profite voilà, pour dire qu'il y a de nombreux messages de partenaires qu'on reçoit hein, voilà, qui t'encouragent pour aller au bout de cette expédition et puis te donner pas mal d'énergie. Et il voulait savoir ce que tu mangeais ce soir, parce que tu as parlé de nourriture, mais je crois pas que tu aies évoqué ton repas de ce soir qui va te prendre un petit peu de temps à préparer. Puis sinon, il y avait une question également de savoir comment tu faisais pour te laver. Alors là, j'espère que tu as eu l'occasion de faire un petit brin de toilette depuis ton départ le 24 avril. Et comment ça s'organise un peu Bah, c'est grand luxe pour l'instant. Pour l'instant, c'est grand luxe. Bah, on a de l'eau, hein, on a de l'eau douce, donc c'est la toilette de chat à bord du. Pour l'instant, là, moi j'ai beaucoup vécu dans le voilier typhon, hein, qui fait quand même 16 mètres et qui a quand même pas mal de confort au final. Mais sur les grandes navigations, on fait la toilette de chat pour économiser l'eau. Et puis depuis l'arrivée en Islande, on a découvert une des spécialités islandaises qui sont les bains chauds. Donc, l'Islande est un pays. En fait, volcanique, beaucoup de géothermie, et tu peux trouver des bains voilà, en pleine nature, des endroits où il y a de l'eau chaude, qui sort de terre, donc on va faire un bain comme ça, ça c'était chouette. Et aussi dans toutes les petites villes, tu trouves des piscines avec bah, au minimum un bain chaud à 42 degrés. Donc voilà, quand on est à terre, on ne se prive pas d'aller très régulièrement dans ces endroits parce que. C'est un luxe qu'on n'a même pas en France, donc il faut en profiter. Ah oui. Parce que la baignade, elle est un peu froide, l'eau, là, non? Ouais, non, oui, j'évite. J'évite. Hein. Même essayer de travailler les mains nues dehors, toucher, dès que tu as les mains mouillées, en quelques minutes, tu as les doigts glacés. Hein. On porte des gants, quand on navigue, on porte des gants en permanence. Il y a juste quand je rame, je porte pas de gants parce que ça produit quand même beaucoup de chaleur. Donc, et là, vous ne sentez pas, mais le vent commence à se couper fort à l'extérieur. Ça bouge. Et la dernière fois qu'on a eu ça dans un port, c'était dans un autre fjord de l'Islandais. Et ça presque était un peu dangereux. On avait du mal à garder le bateau en sécurité. Donc. Après, le coup de fil, j'irai vérifier toutes les amarres du bateau pour essayer de ne pas casser mon main pendant la nuit entre les vagues. Ça, c'est vrai. C'est un milieu quand même relativement hostile dans lequel tu te retrouves, non, un petit peu. C'est nouveau pour toi, toute cette ce côté froid, ce côté. Pour l'instant, c'est pas vraiment nouveau. Hein. D'accord. Et, c'est hostile parce que faut être attentif. Hein. Si tu es attentif et que tu prends t'as l'habitude, c'est pas dangereux, mais il faut faire gaffe. Surtout en fait, c'est un travail de d'anticipation. Ah, encore des questions, Vincent? Ouais, je suis pas une spadule, je suis désolé, mais la batterie, je ne pensais pas s'envole à une vitesse monstre en mode vision conférence. Bon, on va te laisser. On va te laisser brancher la batterie pour profiter un peu des. Non, vas-y. Et puis pour profiter quand même des 5 dernières minutes avec toi, parce qu'on sait que voilà, le temps il est un peu contraint aussi avec la connexion de l'antenne satellite. On avait quand même une dernière question de Mathurin à Douarnenez qui te salue, qui voulait savoir si tu comptais arriver sur la banquise chasser comme les Esquimaux et aussi te nourrir avec peut-être de la nourriture que tu trouveras sur place. Puis une question là, qui vient plus de moi. Sur les animaux que tu as pu rencontrer là en essayant le brise glace dans les fjords islandais, est-ce que tu as pu dormir avec des phoques ou
touché des animaux un peu de près, parce que je pense que tu en as rencontré pas mal. Alors, la question de Benjamin, eh bien, non, je ne chasserai pas. C'est pas du tout. J'ai déjà bien trop de trucs à apprendre en arrivant sur l'Alliance. Alors, je n'irai pas chasser. J'ai aucune idée de comment on prépare le phoque. Voilà. Même si, vraiment, ce qu'il chasse, hein, depuis, même depuis les îles Féroé, hein, il chasse des animaux qu'on n'a pas l'habitude de chasser, nous, en France ou en Europe. Hein, ils vont par exemple chasser le soupassant, le macareux, le dauphin, la baleine, de manière traditionnelle, hein, c'est non industriel. Eh bien, donc non, je ne vais pas essayer tous ces animaux de les manger, pas l'intention, et pas toute chance sur la banquise. C'est déjà, enfin, pour moi qui n'ai pas l'habitude de les voir souvent, c'est déjà exceptionnel de les rencontrer. Alors je ne verrai pas du tout les tuer pour les manger. En plus, comme j'ai suffisamment de nourriture, ça serait un peu dommage de le faire pour le plaisir à l'aventure. Donc, ouais, je sais plus si j'ai dit, mais il y a beaucoup d'animaux hein, ici, hein, c'est assez impressionnant. Mais... beaucoup d'animaux sauvages, les baleines, les phoques, les renards. On peut presque voir tous les jours, donc c'est assez formidable. Quoi. Je ne m'attendais pas à ce que la faune soit aussi visible et présente. Ça me demande vraiment où est-ce qu'elle a tout, où est-ce qu'elle est passée. Hein. En France notamment. C'est content de la trouver ici. Bon bah chouette, en tout cas on est content pour toi et que tu nous fasses partager ça aussi, même à distance. Il y a une petite dernière question avant qu'on se quitte, une question de Sybille qui demande si tu es content d'être là où tu es. Oui, je suis très content d'être là où je suis, je m'amuse beaucoup au final. Et comme je le disais, parfois, il y a eu beaucoup de travail pendant 2 ans, donc là, c'est un petit peu les vacances. Même si c'est pas tous les jours facile, et ben, je le prends comme des vacances, donc je suis content d'être en vacances. Et avant qu'on se quitte, est-ce que tu souhaites faire passer un message ou dire un dernier petit mot à tous ces gens qui sont là aujourd'hui? Merci pour tous les petits messages de tout le monde. Il y en a certains que j'arrive à voir directement ou d'autres par l'intermédiaire de l'équipe qui est à Rennes. Merci pour les petits coups de main aussi quand j'arrive pas à reconnaître les animaux marins, parce qu'on va faire un peu l'erreur de partir sans guide de la fouille du coin. Donc je pense que je ferai de nouveau appel à vous pour reconnaître les prochains animaux que je croiserai. Il faudra faire attention parce qu'il y aura peut-être des petits pièges, hein, parce que en ce moment c'est la période où les animaux de l'Arctique changent de couleur pour s'adapter aux couleurs de l'été, donc ils vont quitter leur ventre pour de nouvelles couleurs. Donc il y aura certainement des petits pièges. Mais merci à tout le monde et puis j'ai hâte de voir aussi, voilà, je pense à tous les enfants que je vais bientôt voir en visioconférence dans leur classe. Et donc, j'ai hâte de tous les voir, ça me fera vraiment plaisir. On rappelle que d'ici là, ils peuvent aussi t'adresser des questions hein, sur Allô le Pôle. Je vais juste rappeler le numéro, mais vous pouvez envoyer vos messages, vos questions directement à Vincent, qui se fera un plaisir de vous répondre. Donc le Allô le Pôle, c'est au 07 69 79 80 52. Et donc vous pouvez appeler avec vos parents directement Vincent et lui poser toutes vos questions. Voilà, t'auras j'espère plein d'appels. Super, ouais, n'hésitez pas, et puis je répondrai très rapidement si vous avez aussi des petites missions à me confier. Je peux aussi jouer le bon moment pour vous. Et ben, on remercie fortement l'EduLab qui nous a accueillis aujourd'hui, qui a permis ce moment-là, que ce soit effectivement aussi les techniciens qui sont présents, Yvan et Maël. Merci beaucoup. Et puis ben, on se dit à la semaine prochaine, du coup. Puisque jeudi prochain on te retrouve Vincent pour un nouveau moment avec toi et on l'espère probablement sur la banquise. Super, ouais. Merci Cassien, merci Yvon, merci les Juliens et à bonne semaine. Salut. Salut.
Et ben on est très heureux de ce petit moment passé avec Vincent. C'est un peu d'émotion hein, quand même. C'est une personne qu'on aime beaucoup. On voit que son aventure, elle continue. Il n'est pas loin maintenant d'atteindre le point d'orgue de son aventure, la banquise. On vous remercie tous qui avez pu être présents alors, à vos écrans et aussi ici à l'EduLab. Merci bien sûr encore à nouveau à l'EduLab pour ce moment. Écoutez, on espère vous voir nombreux également la semaine prochaine, jeudi prochain, à la même heure, soit présent ici à l'EduLab ou également sur YouTube. Et puis, je pense qu'on va tous souhaiter plein de courage à Vincent pour cette dernière ligne droite, là, cette semaine, jusqu'à la banquise.